Bonjour, bienvenue à Réaction FR. Réaction FR, c'est quoi? C'est le seul unique show sur YouTube où est-ce qu'on regarde, on analyse et on critique des vidéos de musique et on fait tout ça en français. Et aujourd'hui, on reste chez nous. Ben, pas chez nous, mais on reste en Amérique. On s'en va aux États-Unis et puis on va regarder le nouveau clip de Black Veil Brides. En effet, on va regarder le nouveau clip. C'est un groupe qui se nomme Black Veil Brides. C'est un groupe quand même très populaire chez les plus jeunes. Mais en même temps, c'est le genre de groupe que même en vieillissant, soit les fans vont suivre le groupe. Aussi, bon, ben, le groupe est populaire parce que le chanteur, il est cute, là, puis il a beaucoup de charisme, là, il se nomme Andy, et puis il est là depuis les tout débuts, puis bon, il y a un petit style que beaucoup de filles aiment, donc c'est un peu un genre de boys band rock, tu sais, c'est parce que dans le fond, la popularité du groupe a été beaucoup grâce au chanteur qui est cute. Mais en même temps, il a beaucoup de talent, beaucoup de charisme, très bonne voix. Et puis, c'est Black Veil Brides, ils ont des très bons musiciens, là. Fait que, on va acheter un œil là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Black Veil Brides parce que, dans le fond, ça serait long. Et puis, je pense que le trois quarts du monde qui écoute la chaîne doivent connaître déjà Black Veil Brides. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Le nouvel tune s'intitule Field of Bone. Et puis, c'est tiré d'un prochain album qui sera nommé The Phantom Tomorrow. Et puis, il sort le 4 juin. Fait qu'on jette un œil sur là-dessus. Black Veil Brides, Field of Bone. Ce groupe-là, là, ça me fait penser un peu à. Le chanteur me fait penser un peu à Ville Valo, le chanteur de Him. Et puis le style de musique aussi, ça me fait penser un petit peu à du Him. Aussi, ça me fait penser à du hard rock des années 80, 90, début des années 90. Tu sais, des affaires comme Lillianax, Lizzie Borden, des affaires comme XIZ, tu sais, du hair metal, là, mais pas le côté pop, du hair metal, c'est hardline aussi. T'sais, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, là, mais c'est du bon hard rock mélodique. Et puis ça me fait penser un peu au hair metal des années 80, mais avec un son plus actuel. Si vous aimez ce style-là aussi, je vous recommande un band européen qui se nomme Heat, Heat, là, qui sont excellents aussi. Puis je vais probablement faire une review d'eux autres parce que ça vaut la peine, ils sont vraiment bons. Fait que, on continue. Black Veil Brides, un nouvel tune. In the
Vraiment, excellente chanson. Encore une fois, je pense que Black Veil Brides, depuis que je les connais, ça fait peut-être quoi, peut-être 7-8 ans là, que j'écoute régulièrement leur tune. Tu sais, mais j'ai jamais acheté d'album, jamais écouté d'album au complet. Mais toutes les tunes que j'ai entendues d'eux autres, c'est tout bon. Je pense que j'ai jamais entendu une mauvaise tune de cette band-là. C'est un peu dans la même lignée que Bring Me the Horizon, ces genres de band-là où est-ce que on dirait que sont un style quand même, un bon style rock avec un son moderne. Puis bon, mais c'est sûr, c'est les gars, le petit chanteur, les kids, ça c'est pour attirer les filles, tu sais. Puis bon, mais c'est pour le marketing aussi. Tu sais, c'est comme aussi les groupes avec des chanteuses qui vont avoir des filles, ils sont belles, fait que ça va attirer un genre de clientèle, tu sais. Ça fait partie un peu du marketing. Aussi. Tu sais, je sais pas, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, le look dans la musique, c'est-tu important? Tu sais, le chanteur doit-tu être cute, la chanteuse doit-tu être belle? Tu sais, est-ce que Arch Enemy serait si populaire si la chanteuse, ça serait une petite grosse 5 pieds 3, 250 livres? Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, c'est des fois, c'est le look va peut-être primer sur la musique. Ou sinon, des fois, le look va faire qu'on va tendre plus l'oreille puis finalement découvrir que le groupe est bon. T'sais. Comme ça, probablement, Black Veil Brides, c'est un peu ça. T'sais. C'est le bon, mais les gars, ils ont un petit look, les filles vont écouter ça, puis hein, finalement, c'est bon. Puis finalement, ah, crime, Andy, il a une bonne voix, puis c'est un bon chanteur, puis il a du charisme, puis il a une présence, puis tout le kit. Puis chaque vidéoclip de Black Veil Brides sont tout excellents aussi. Là, vraiment, là, c'est un très bon band. Fait que j'espère que vous aimez ça. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton vous abonner, la petite clochette pour recevoir des notifications. Et si vous voulez des demandes spéciales, ne vous gênez pas, j'ai une page Patreon, vous pouvez me contacter, ça me ferait un plaisir de répondre et de faire vos demandes spéciales. On se dit à la prochaine, c'était Réaction FR.